Non, je ne vais pas faire ça. Parce que je sais que certaines personnes détestent l'ASMR, alors c'est vachement bien. Alors, quelques news de où est-ce qu'on en est, tout ça, l'année 2020, les bonnes résolutions ou pas. Alors, j'ai fini d'écrire toute ma saison 1 de ma série. Regardez, elle est là. Oui, enfin le traitement. Hein. Voilà, donc je suis en train de la relire pour les fautes, les incohérences, rajouter des choses auxquelles j'ai pas pensé, travailler un peu plus les personnages, parce que là c'est vraiment la V1, V1 V0 quoi. Donc voilà, c'est en relecture, j'espère pouvoir la faire lire à d'autres gens, un de ces quatre. Voilà, je suis très stressée, j'ai peur que ça plaise pas, tout ça, voilà, vous allez voir, c'est une vidéo très déprimante. On est presque 5000 sur la chaîne, merci beaucoup, merci infiniment, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir, oui. Ça me fait très plaisir parce que c'est, je sais pas, c'est hyper dur en fait de percer sur YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir d'arriver presque à 5000, mais c'est pas parce qu'on est 5000 que la vie est belle, c'est, en vrai c'est assez compliqué pour moi, on va dire que je vivote, je suis censée être freelance graphiste, mais ça, ça ne me paye pas non plus grassement, le Tipeee et le Utip me sauve un peu la mise parce que ça me permet de faire des courses. Donc déjà, c'est pas mal, ça me permet de me nourrir. Mais après, tout ce qui est loyer, tout ça, bah, c'est assez compliqué de y arriver, quoi. J'ai aussi des baisses de motivation personnelle. On va pas dire que la vie est toute rose, elle est pas noire non plus, mais c'est quand même assez dur et j'essaye, enfin je continue à faire les choses même si faut que je me botte le cul souvent parce que c'est dur d'être motivé quand on galère depuis 3 ans. Mais le positif, c'est que je kiffe ce que je fais quand même parce que vraiment les symboles ça me passionne, le cinéma ça me passionne, donc c'est vraiment ce qui me passionne parce que j'aime bien le mot passion, parce que je me nourris en passion d'ailleurs, vous saviez. Non mais j'adore ce que je fais. On va dire que la créativité, c'est à double tranchant parce que quand t'en as, t'es trop content, mais quand t'as pas les moyens de le faire, c'est vraiment l'enfer. Bonjour, c'est la vidéo du LOL. Donc voilà, donc je suis trop contente. En vrai, j'ai même une autre idée de pas de série, enfin si on pourrait dire ça, mais j'ai pas trop envie d'en faire une série. On va plutôt dire que ça serait un moyen métrage, mais on verra. J'ai juste, c'est le personnage principal qui me parle. Voilà, je ne sais pas encore quoi en faire de cette idée que j'ai eue. Mais voilà, j'espère que, bah, je sais pas, on verra. On verra si j'ai le temps d'écrire, si j'ai le temps de produire, tout ça, sachant que la première est assez complexe quand même. J'aime bien ma première série aussi, parce que je m'aime bien souvenir, je sais plus que j'ai bien aimé. Si, je sais que beaucoup de vidéastes cinéma font leur top et leur flop cinéma, mais moi je les ai fait sur Twitter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter. Voilà, j'ai fait des tops, j'ai fait un top 2019. Je fais que des tops. Top 2019, top décennie horreur, science-fiction, film en général. Après, je sais plus. C'est sûr que j'en ai fait un autre, mais je m'en souviens déjà plus. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et Instagram, parce que des fois, je fais des trucs un peu bizarres sur Instagram, histoire un peu nulle. Voilà, tous les liens sont dans la description. Même si j'ai pris des vacances, j'ai dû travailler le matin pour pouvoir vous sortir des vidéos en janvier. Mais en vrai, ça s'est bien passé parce que pour une fois, j'ai réussi à écrire des scripts assez courts, ce qui me permet d'avoir du temps pour faire les scripts plus longs. Parce qu'en fait, des fois, je commence des scripts en me disant « Allez, c'est tranquille, le sujet, ça ne doit pas être grand-chose. » Et en fait, tu te retrouves avec un script de 6 pages, 12 pages, un jour le café. Et voilà. Et après, c'est un mois de travail, en fait. Parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai tourné le prochain symbolique, le prochain Qu'est-ce qu'on regarde. Et voilà, et il y aura un cinéma incognita à la fin du mois, et après on va essayer de continuer joyeusement. Je crois que le script de février est bon. Je crois que j'ai tous mes sujets jusqu'en juin, mais il n'y a plus qu'à les écrire, et il y en a certains qui sont assez fatos. Comme je vous avais promis l'apocalypse, il faudrait que je m'y tienne, mais j'ai un peu passé mon chemin dessus, parce que voilà. J'ai trop de choses à faire en même temps. Et à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai sûrement fait mon premier retour, parce qu'en fait j'avais une chaîne Twitch
que j'ai laissé dormir pendant 2 ans parce que la pression, parce que j'avais peur, parce que j'avais pas de matos. Et donc, le jour où cette vidéo sortira, j'aurai déjà fait un premier live. Je ne sais pas comment ça se sera passé. Enfin, si je fais le montage... Non, peut-être que j'aurais déjà fait le montage. Donc, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il se passera bien. J'aimerais en faire régulièrement, soit pour jouer aux jeux vidéo, soit pour qu'on discute film et cinéma, soit si j'ai des illustrations à faire, les faire en même temps, que ce soit un peu chill, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Malgré cette vidéo un peu déprime, les choses continuent d'avancer. J'essaye de faire au mieux. J'essaye de toujours faire en sorte que mes symboliques aient une mise en scène un peu spéciale, même si j'ai pas les moyens. Là, par exemple, le symbolique qui va arriver, vous verrez, c'est un peu cheapos, mais bon. Voilà. On fait avec ce qu'on peut et qu'on a. Enfin, voilà. J'espère, en tout cas, que mon contenu continue à vous plaire. N'hésitez vraiment pas à parler de la chaîne autour de vous, à regarder des pubs sur Tipeee ou Utip si vous avez le temps, si éthiquement ça vous pose pas trop de problèmes. En tout cas, j'espère encore continuer longtemps parce que c'est vraiment ce qui me passionne et ça me ferait chier de faire autre chose. Bonne année à vous en tout cas. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'on continuera ensemble longtemps et sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. Thank you.